me share with you the terrible wonders I have come to know. Ouais, vas-y. Vas-y, partage tout. Bienvenue. On a 100k, c'est sympa de voir 100k. C'est rare de voir 100k. Bienvenue, on est reparti pour Darkest Dungeon. Je vais essayer d'être en forme, mais je le suis pas. C'est pas parce que je suis fatigué, c'est parce que j'ai pas vraiment le moral, mais bon. Je pense que jouer à Darkest Dungeon va me remonter le moral. Je sais, ça sonne bizarre, mais on y va. Donc, ce qui se passe, on a un con de piaf qui vient nous embêter, apparemment. Sidéré par l'apparente valeur de ce qui se cache dans ses plumes putrides, les curieux se demandent s'ils ne devraient pas monter une expédition pour se rendre à son perchoir. Ah non, en fait, non, c'est nous. Non, on est des humains, on est des connards. Non, c'est nous. On a vu un oiseau avec des plumes qui brillent, donc on va aller le faire chier. Non, c'est nous. J'ai cru que c'était l'inverse, mais en fait, non. J'ai regardé pour les mods, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Il y avait un mod qui refaisait un peu le skin de l'abbaye et du cimetière. Genre, ça rajoutait des fleurs, des trucs comme ça. Honnêtement, c'est pas top. C'était pas assez voyant et puis peut-être que ça va... En fait, il faudrait que je le mette quand on a des événements sur l'abbaye. Je sais pas si on peut avoir des événements sur le cimetière, ça m'étonnerait. Mais sur l'abbaye. Parce que des fois elle est décorée en fait d'une différente façon, donc faut voir si ça crée pas en fait des problèmes avec le mode. Mais bon, ouais, voilà, j'ai regardé ça, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je crois que j'avais un mode pour une classe, mais c'était pas très joli. Donc ouais. Après j'ai regardé les modes pour accélérer le temps, en fait les combats, et je crois que c'est tout le temps en fait. Je crois pas qu'il y ait de touches en fait pour accélérer. Vous savez, comme dans genre Oxygen Not Included par exemple, où on peut mettre en deux fois, trois fois la vitesse et tout ça, et après remettre en normal. Je crois que les modes en fait accélèrent la vitesse et basta quoi. Je crois pas qu'on peut l'activer et désactiver à souhait. Donc du coup, non, on va pas le mettre. Hein. À la limite, je le mettrai si je veux faire, je veux farmer des cristaux, mais c'est tout. Hein. En tout cas pour le stress, on va partir en expédition. Donc on va partir faire chier l'oiseau qui est là. Apparemment on avait choisi cette équipe. Ouais, équipe très résistante, j'ai envie de dire. Ouais, on avait choisi ça. Donc du coup, je voudrais bien déstresser Vangarl peut-être. Furnival. Ah oui, je me rappelle maintenant les modes que j'avais mis. C'était pour un Vestal. Mais c'était pas très 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 bien en fait. C'était un peu trop lood, si vous voyez ce que je veux dire. Furnival aussi, elle stresse bien, elle a des vertiges. Ils peuvent aller boire ensemble. Hein. Après Verdun, ça va parce qu'on peut toujours baisser en fait leur stress. Puis après ils perdent moins 20 je crois par semaine. Donc c'est pas trop incroyable. Ah par contre, oui je veux bien t'enlever lenteur. Ah oui, attends. On peut faire ça. Hop. Verdun, tu vas me virer lenteur parce que c'est quand même vachement handicapant. Après, j'aime bien précision, mais on peut pas le prendre. Nous, on a quoi? On a endurance, spiritualité, ouais. Ah, les deux mélangés, honnêtement, c'est pas mal. Hein, les soins comme ça, c'est vraiment pas mal. Après, je sais pas ce que je mettrais pour un tank. Qu'est-ce qu'on mettrait? Genre, protection, 10%, c'est vachement bien. Des HP en plus 10%, c'est vachement bien. Mais après, il y a aussi esquive vitesse 2, par exemple. C'est superbe, esquive vitesse 2. Après des soins, il y a beaucoup de choses en fait qui sont vachement bien, hein. Donc c'est un peu chaud de faire des choix à chaque fois. Même l'instinct de combat, le genre précision plus 5, c'est magnifique. Même ça. Ok, alors déjà on a ça. Je vais juste regarder vite fait. Alors, critique moins 2 pour elle, c'est chiant. Ah, mais non, elle est déjà en train de déstresser. Qu'est-ce qu'on a? On a Nesdin.
Esdin. Toi, tu as quoi? On va regarder vite fait les choses qu'on peut mettre. Besoin d'intense d'accomplir certaines actions. Ah oui, c'est ça qui la pousse à toucher les choses, je crois, les compulsions. Ouais, on va peut-être lui enlever ça, pendant que c'est pas trop cher. Voilà. Est-ce qu'on a des maladies chiantes? Précision, moins 20, si stress supérieur à 70. Ouais, pour un truc comme ça, pour un... pour un flagellant, c'est relou. Dégâts moins 20%, ça aussi ça m'embête. Vaughan, elle a la rage. À la limite, on va la laisser avec la rage pour le moment. Parce que honnêtement, je trouve que les arbalétrières font pas trop de dégâts. Mais bon, après, il y a aussi le problème de l'équipement qui était pas trop monté. Après, on a cela, mais qu'est-ce qu'on fait avec cela? Attendez. Là, on n'a rien d'intéressant. On a un bouffon, mais je voudrais le niveau 3 quand même. Ouais. Il y a lui qu'il faut déstresser. Hein. Ah, mais il peut pas que... attendez. C'est lui qui peut que méditer. Ah, tu coûtes cher. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est le seul jester qu'on a. Enfin, je dis jester par réflexe. Mais enfin, le bouffon, quoi. C'est le seul qu'on ait, en plus dans notre équipe normale et cristal. Donc on va le garder, parce que comme ça, si jamais je veux farmer, je peux. On a... Je vais aussi déstresser le... lui, elle. Comme ça, on a deux brise-boucliers. Après, je veux bien lui aussi. Attends, c'est pas que toi, t'as un truc... Genre 20% tous les... Non, ça va. Toi, Nami... Non, toi, on n'en a pas besoin, en fait. Non, toi, on n'a pas besoin. On peut même te virer, en fait, je pense. Le médecin. Another soul battered and broken. Cast aside like a spent torch. Ouais, voilà. Là, on a des gens qu'on utilise, en fait. Les brise-boucliers, bon, après nous on en a un aussi, hein. Mais on en a deux là, c'est bien. Un flagellant juste au cas où, et on a bien sûr le bouffon, et après on a des soins et tout ça de notre équipe et tout. J'essaye de compléter en fait avec les gens du Christ, des cristaux là, j'essaye de les compléter avec notre équipe. Comme ça je peux farmer quand je veux. Alors par contre on a plein de genre de blasons et tout ça. Tiens, hop. Alors, je sais qu'on a ça. Tiens, on va faire ça direct. Alone in the woods or tunnels, survival is the same. Prepare, persist, and overcome. Ok, nickel. On en a 61. Ouais, bah du coup, c'est bon. C'est bon, je crois. Enfin, on n'a plus rien d'autre à augmenter. Là, c'est 60 bustes. Bustes. Là, c'est quoi? Nombre de blocs à 6. Le prix en moins. Idol, amulet, or lucky charm. The simplest object can be a talisman against evil. Okay. In time. You will know the tragic extent of my failings. D'accord. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a notre équipe pour aller plumer littéralement un piaf. Je me demande si c'est lié au DLC ou pas. Faudrait que je regarde. Ouais, non, j'en sais rien. Regarde, on s'en fout. Je pense que c'est l'histoire principale, ça. C'est vraiment cool. Enfin, le jeu principal. Donc on peut avoir des trucs comme ça, et là on est toujours pas à 100 semaines, hein. On est donc du coup on peut avoir ça qui s'active en fait pendant qu'on combat. Alors, comme ça, voilà. Donc on va pas prendre de Vanguard, parce qu'il est trop stressé, donc Giant Dad va travailler. Giant Dad. Ok.
Ah oui, on avait récupéré ça. Saignement. Giant Dad qui va travailler à notre place. Je sais pas ce que c'est, le piaf. Une horreur, peut-être. Une bête, sûrement. Sûrement une bête, je dirais. Alors, critique et dégâts, je pense. Et précision, ouais, c'est un peu le défaut pour lui. En plus, c'est bien parce que du coup, ça lui fait protection 20 quand même, c'est pas mal. Hein. Vraiment bien. Alors, toi, la Vestale, on a commencé à prendre l'habitude de mettre du soin supplémentaire. Avec ça. Ouais, ça fait 25%. Parce que si je mets le sac là, ça lui fait quoi? Ça lui fait 45% de stress en moins, en plus. Déjà que c'est déjà beaucoup en fait. Dans un sens, on devrait peut-être faire ça. Comme ça, elle a moins de chances de stress. Parce que 25%, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup. Toi, à la limite, la vertu, tu t'en fous. Donc ça, c'est vrai que pour toi, ça va. Et puis stress, c'est pas trop un problème pour toi non plus. Parce que c'est un peu ton moment où tu fais mal quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Chance d'infliger du saignement parce que je sais pas si le truc il va saigner. Après c'est une bête, enfin c'est une bête, je pense que c'est une bête, c'est un piaf quoi. J'imagine que le saignement devrait passer sans trop de problèmes. C'est bête que j'ai pas un truc genre saignement mais mieux que ça, parce que j'aime pas la compétence de soin moins 20% en fait. J'aime pas du tout ça. J'ai de la résistance au saignement. J'ai pas l'augmentation en fait. La chance. Non, j'ai pas. Ça m'embête. Après je sais pas trop. Un rétent de couvatal. 12% critique. Ouais, ça aussi c'est bien pour l'agonie, le saut du martyr. Ça fait quand même. Ça fonctionne bien. Ah, vous savez quoi? On va prendre ça un peu. Pour résister. Ça c'est plus un truc de défense si jamais il y a un problème. Genre, on réaugmente l'esquive. Donc, il aura une esquive positive. Si jamais il descend en agonie. Puis il aura des dégâts avec un stress supérieur. Ouais, on va mettre ça. Je vais peut-être mettre ça par défaut pour un peu jouer plus défense. Genre au cas où. Parce que je pense pas que le 20% de saignement soit vraiment très très demandé. Bon, bah voilà, on a notre équipe. On a notre équipe. Alors, pour les habilités... Giant Dad, on va le faire en alors, mêlée normale, boost de dégâts. Il va se prendre plus cher, mais on va lui mettre la protection et tout, de toute façon, donc il risquera rien. Il aura 50% de protection, avec 20 d'esquive, il pourra se soigner aussi. Le basique, on tape, on saigne en fait dans tous les sens. Le basique, soin stun. Et le basique infection étourdissement. Faudrait que quand on veut pas utiliser l'étourdissement, il faudrait qu'on utilise autre chose. Je sais pas trop quoi en fait. Est-ce qu'on n'utiliserait pas ça? Attendez. Pour voir, pour changer un peu. Parce que c'est vrai qu'on est limité avec l'autre. Et il faudrait que... Alors, guild, on fait des tests, hein, on fait des tests. Hop, doctor. Chaque fois que je dis doctor, ça me fait penser à Metal Gear Rising Revengeance, là. Avec, c'est un allemand, le docteur. À un moment, il y a Raiden qui lui demande d'éteindre ses inhibiteurs de souffrance, ou je sais plus quoi. Doctor, turn off my pain inhibitor. C'était marrant. Vraiment cool. Rising. Je pense qu'on va prendre ça. Parce que ça, c'est utilisation illimitée. Ça, non.
Après, le pourcentage est le même, hein, c'est 140%. Ouais, c'est 140%. Mais lui, précision 115. Précision 115, c'est pareil. Pardon. Par contre, ça fait un mélangeur, ce qui peut aider. Et ça retire les cadavres. Donc, peut-être que pour un boss, c'est plus intéressant, ça. Peut-être. Donc, on va prendre ça. Et après, bien sûr, il y a les dégâts en plus, hein, ça aussi. Mais bon, pour le moment, on joue tranquille. Ok, on est bon. Alors, cette quête ne pourra pas être abandonnée. Zéro vraiment continuer. Oui. Ça marche. Alors, hop, hop, hop. Peut-être. Je sais pas trop, hein. Je connais pas. Donc, je sais pas, je prends tout et n'importe quoi. Quatre. Comme ça? On est bien équipé? Ouais, on est bien équipé comme ça. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Les oreilles humaines supportent mal le cri du hurleur. Oh non, ça va être une habilité qui met l'horreur, je suis sûr. Ah, je suis sûr que c'est ça. Wow, ok, combat direct. Bah putain, alors, nid du hurleur. Ok, on peut le déplacer par contre. 60%. Hurleur horrible, vitesse 9. Ouh, c'est beaucoup là. Esquive 63. Ah merde, on peut pas l'infecter. Merde, on peut pas l'infecter, il a 3 actions. Par contre, on peut l'étourdir. Donc on peut peut-être spammer étourdissement avec, avec Doctor. Ok. Ah ouais, ça va être un problème, je pense. Merde. Ok, il avance. Oh là là. Ok. Non, c'est bien s'il est devant maintenant. Très bien, on va pouvoir le saigner facilement. Aïe aïe. Alors, bah comme j'ai dit, du coup ça c'est, on a bien fait de le prendre. Parce que j'ai voulu tester d'autres habilités parce que on n'utilise jamais des autres habilités. Donc là on peut pas l'empoisonner, merde. Bon bah allez vas-y. Yes! Ok, très bien, très bien. Oh, il a vitesse plus 8. Oh la vache. Ok. Ok, il fait pas trop mal. Oh, il fait du saignement. Hey, Giant Dad. C'est quoi ça, croissement? Oh là là. Saigne, yes. Ah par contre le résistement en fait il reste pas longtemps parce qu'il joue tellement de fois. Le machin. Bah l'infection ça lui sert à rien. Ah par contre je peux peut-être lui debuff la précision. On va test. Ouais d'accord. Ok. Okay.
43% de précision. Ah ouais. Bon, après, il nous a mis moins 15 aussi. Là, on a 52% de toucher aussi. Putain. Ah, on aurait dû augmenter le saignement, du coup. Faut vraiment un meilleur truc hein, pour le saignement, en plus. On va lui refaire ça. Ouais, non, ou pas. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il peut pas saigner. Enfin, il peut pas saigner. Enfin, ça va être difficile de le saigner, quoi. Ah, 58%. On a toujours le... Ouais, on n'a plus le debuff. Mais 58%, c'est très bas. Hein. Ah, merde. Il va nous foutre dans la merde. Niveau stress. Yay. Ah, voilà. Précision moins 7, ça sera déjà bien. Mais pourquoi toujours docteur, quoi? Sérieux, là? Death waits. Oh là là! Oh, 100. Il est où, le machin? The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Ah! Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Okay. Ah, on l'a loupé? On l'a pas tué du coup? Récompense de quête. Ça fait quand même beaucoup d'acheter hein, pour peu d'argent. Faites chier. Réflexe lent. Ok, ça c'est relou. Appétit de corps vidé. C'est quoi ça? Consomme nourriture sans truc. Okay. Bon, bah c'était un succès. Point d'interrogation. Once, our estate was the envy of this land. Alors, tout très bien. Mais lenteur, très bien, sauf de sang à peu près. Du coup, le corbeau est parti. Bah, du coup, le corbeau est parti. Et on a gagné donc la patte. Du coup, c'était scripté le fait qu'il parte ou pas? Ou alors on aurait pu vraiment le tuer. Mais il est difficile hein, le machin. Il a plein d'esquives et tout. Ah, on aurait pu le faire au bout d'un moment, je suis sûr qu'on gagnerait. Alors, cerf cruel hurleur, crit plus 7%, c'est très bien. Résistance aux maladies. 33% si torche inférieure à 75. Et champ d'infusion un saignement. Plus 33 si torche inférieure à 50. Ah, c'est pas mal. Là, on le mettrait vraiment juste pour le critique plus 7% en fait. Et si on fait des runs. Des runs sans torche à la limite. Parce que 33% de saignement en plus, c'est vraiment pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Mais bon, c'est... Oui, c'est un run sans torche. Donc c'est pas vraiment ce qu'on fait. Faudrait que je le fasse un jour, genre un champion, mais court. Peut-être qu'on pourrait tester. Pitié, ça suffit. Oui. Bon, vous avez bien joué, les mecs. Vous avez bien joué. Alors, on a encore du vin.
Nouveau Vestal. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Stress. Non, du coup. Toi. Ah, on a balancé quand même beaucoup d'argent. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut le garder en euphorique, mais baisser son stress. Ça, si on le prend pas pendant un moment... Ouais, non, c'est un peu chiant, quoi. Si on le prend pas pendant un moment, genre, il prend moins 20 et tout ça, mais il garde l'euphorie. En fait, l'euphorie, il faudrait le mettre dans un bâtiment. Donc, on peut le jouer tout le temps en euphorie. Genre, on utilise... je sais pas. Enfin, c'est un truc à considérer, quoi. Très bien, docteur. Docteur, t'aimes quoi? Ah, réflexe lent, vitesse moins 1. C'est vrai que vitesse moins 1, c'est relou. Giant Dad. On va tous les faire déstresser. Parce que je sens que ça va être notre équipe intéressante. Notre équipe pour... si jamais le machin y revient. Je crois que ça va être le plus intéressant. Stress plus 20% si tu es supérieur à 75. Ah oui, ça c'est très embêtant. Alors, maintenant. Maintenant. Fais voir un peu. Alors, on a un 5. On a Runeville en 5. Qu'on pourrait monter à 6. On pourrait aller chercher du sang. Mais c'est pas trop important. Surtout que ça nous donne une chance de plus d'avoir des gens en fait infectés. Donc, j'ai envie de dire qu'à la limite, on peut s'en passer pour le moment. Il nous faut par contre un... Une invitation. Je sais pas trop comment on récupère une invitation. Alors, ça c'est pour la furie. Ça c'est les soins reçus en général, c'est pas mal. J'avais bien envie de faire ça. Un doublon de la flotte. Je crois qu'on l'a pas. On n'a pas l'objet bleu. Alors, vétéran. Ah ! C'est vrai qu'on a Woodville. On a Woodville. Hop. Ok, je crois que c'est pas mal. Bon, lenteur... oh mon dieu, elle a lenteur et effacement. Quoi. Oh là là. Oh putain. Putain, t'aurais pas pu... Genre faire pire, quoi. C'est ouf, quand même. Hop, châtiment... Ok, je pense qu'on a une équipe. Et on va faire du vétéran pour qu'ils passent. Ils sont tous 3 et je voudrais qu'ils passent tous en 4 en fait. Très bien. Puis ils sont très bien équipés aussi. Voilà. Bam. Bam. Ça. Ça. Alors, on avait dit... non. Non. Celui-là. Et en plus, on aura Marée Douce. Je sais pas ce que c'est. Très bien.
Toi, on va te mettre les deux boucliers. Très bien. On a quoi? Ouais, ça c'est si on te met en deuxième, mais on va pas te mettre en deuxième. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Est-ce que la serre cruelle peut être intéressant? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Ah, il faut plus de soins. Toi, il te faut de la vitesse, toi. Toi, il te faut grave de la vitesse, en fait. Alors, on a le basique. Et après, on a rien. Ah oui, on a vitesse 3. Non. Premier tour, vitesse 8. Ouais, mais après, c'est moins 3. Déjà qu'elle est, elle est lente. Déjà qu'elle est lente, la dame. Bon, t'as pas besoin de soins parce qu'on va pas, on va pas en faire en sorte que tu soignes. Après, si tu restes en 4, il est où notre anneau magique là qui fait de la vitesse en position 4 là? Non, c'est pas celui-là. Aïe, 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 aïe. Pas un truc qui donne de la vitesse. 3, 6, position 4. Vitesse et, précision. Le stress en moins. Ouais. Je sais pas si c'est bien. Ouais, allez, c'est pas si mal. Et toi, je voudrais du soin en plus. Mais t'as pas de soin en plus, en fait. À part les trucs universels. PV esquive. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on doit dormir? Est-ce qu'on doit se reposer? Oui. On doit se reposer. On va prendre des habilités. On va essayer de faire un tout petit peu d'argent aussi. Pardon. Hop. Uniquement sur soi, provision aléatoire. C'est bien, hein, on avait 100k, notre deuxième run, ça y est, on a quasiment zappé la moitié. Trop bien. Alors, hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Tac. Hop, hop. Nickel. C'est parti. C'est parti. Donc, émet une lueur surnaturelle, elle sert à illuminer les pierres protectrices. Ça marche. Tout le monde est bien équipé, tout le monde est bien équipé. Quatre. Ah, c'est... Oui, ça nous prend de la place. Ça va, on a encore du soin. Du sang, pardon. Tout va bien. Oh, excusez-moi, j'étais en train de... The flopping fish-like things abhor the warding sigils. Let us claim this place anew. Ouais, 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 ouais. On va leur dire... Quête, stress moins 20%. Cool. Let's go. Ça, c'est bien d'avoir un nouveau maître d'armes.
Le note deuxième. Note deuxième, tout simplement. Ok, très bien. Ok. On va aller sur le côté 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil. S'il y a peut-être moins de couloirs en haut. Il y a peut-être moins de couloirs en haut à la limite. Ah, je l'aime bien la musique ici quand même. Pam 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 pam. Continue the onslaught. Destroy them all. T'as combien de vitesse du coup? 5. Ah, c'est pas si mal. Découpe lui. Ouais, ouais. Bon bah très bien. Great is the weapon that cuts on its own. Wow, tout ça. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. On va pas toucher à ça. Oh. OK, très bien. Ancient traps lie in wait, unsprung and thirsting for blood. Objectif de quête. Il n'y en a qu'un seul ici, mince. Bon, c'est pas grave. Poisson, on va pas toucher. Alors, pierre protectrice, une protection contre la corruption qui s'étend. La pierre est désormais allumée. Attends, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je dirais le mieux, si on veut camper genre tôt, le mieux c'est d'aller faire les combats. Comme ça on en fait deux ici. Donc parce qu'on en a encore, on a déjà un là. Et après on va espérer qu'il en reste que trois à faire. On va déjà faire les combats, puis après on va faire demi-tour et on revient, on loot. On fait les deux combats, on campe, et après on loot. On va faire comme ça. Ah, le stun ? Ouais, ouais. Voilà. Annihilated. Pas très bien. Oh,
On devrait pas trop avoir de problème. Je me demande si le corbeau là il va revenir, le hurleur. Ça a l'air sympa le combat. Ah par contre le problème c'est le stress, hein. Si jamais le combat il dure trop longtemps, on va galérer pour le stress. C'est quoi ça? Pièce de temps de dégâts contre les infections. Ah c'est sympa ça, regardez. Voilà, on reste comme ça, on va économiser les torches. Oh yes, super. Super. Alors, on va tuer ceux qui sont derrière d'abord. Très bien. Bam. Oh mon dieu. Injury, palpable fear. Ok, c'est bon, on n'en parle plus. Parfait. On va le stun. Enfin, on va le shield bash, quoi, pour passer devant. Voilà. Nickel, nickel. Riposte. On a déjà deux. Ouais. L'infection, ça se porte bien. Ouais, ça se porte bien. Masterfully executed. Jouer, combat d'aveugle, comme d'hab. Parfait. Ben voilà. Et je pense qu'on va camper et après on va essayer de récupérer tous les curieux qui traînent. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Ok, nickel. Alors, empêche les embuscades nocturnes. De toute façon, il y a que lui, hein. Ouais. Knald Draknar. Je sais pas. Tactique. Tactique. On a 5. Un compagnon.
passer 2, ça ferait un truc à 3, ça fait combien ça? Dégâts en plus et du crit en plus. Ouais, on va faire ça. Très bien. Prenez une provision aléatoire. Uniquement sur soi, stress moins 50%. Curieuse incantation. Le temple est plus calme, concerne les difficultés avec ses incantations. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça c'est pas mal ça. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. On a encore des... Non, on va pas tenter le... Waouh! C'était nul la récompense. Waouh! La chance, waouh! Ouais, on va faire ça là. Avec de la chance, on va pas toucher les... ouais. On va pas avoir des nouveaux combats. Beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ça, j'ai envie de le garder parce que infection... Enfin, dégâts plus 20 contre de l'infection, c'est pas mal en fait. Vu qu'on infecte énormément... On va prendre de l'argent. Boing. Aha. Ouais, maintenant on est dans la merde. Comme ça. Peut-être. Ah, tout le monde a... Ok. Et ensuite on... Ok. Finding the stuff is only the first test. La blessure commence à s'infecter, la chair autour est grise, pelée, ridée, presque écailleuse. Alors que j'écris cela, ma respiration devient plus caverneuse et difficile. Ah, on l'avait déjà lu ça. Tu vas devenir un homme poisson ou une femme poisson, ça dépend. Ok, on avance. Les mecs, faut pas trop manger, ok? On a que un stack de rations, doucement. Hein. Doucement, doucement. Très bien. Piège. On avait dit qui piège? Ouais, enfin, il y en a que 3 qui... Ok, très bien. On a encore combien de torches? Ouais, ça va. Pam, 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 pam. D'abord, on va s'occuper de lui. Très bien. Ouais, tu vas mourir. On est nickel. Ah, tu peux le protéger, ça va pas le sauver. Soixante-huit d'esquive, c'est pas mal. 86, c'est pas mal. On va taper les trucs là.
relation is broken. Maintain the offensive. On a une bonne équipe, hein. Ça va. Ça va, ça va. Très solide. Très, très, très solide. On va t'infecter, si on peut. Ouais. Ah, il y a quelques pixels qui sont mauvais, là. Vous voyez ça? Là, c'est mal découpé. Oh, mon Dieu, c'est moche. Je vais voir que ça, moi. Voir. Ah, là, ça y est pas. Oh, non! Oh non! Oh! Ah non, mais je peux pas rester comme ça, moi. Ah, on va rester comme ça, là. Ah, j'ai vu ça. Parce que là, c'était un fond parfait, en fait, pour le voir. Parce que c'est fond bleu, genre bleu en général, tout ça. Il n'y a pas d'autres couleurs. Oh là là. The blood quickens. Pas mal, ce skin, de toute façon. As the fiend falls, a faint hope blossoms. C'est pour ça, si vous faites du Photoshop, parce que ça, je pense que c'est fait sur Photoshop, les skins et tout ça, les. Ouais, les skins, quoi. Mettez des fonds ou blancs ou noirs. Vous faites les deux, en fait. Mettez des fonds noirs, fonds blancs, comme ça, vous voyez directement s'il y a des trucs qui sortent, en fait. Moi, c'est ce que je fais pour voir si j'ai bien découpé, bien fait un truc. Alors. The light, the promise of safety. Ah, c'est moche là, les deux pixels là qu'il y avait là. Oh là là. Ah, objectif de quête. Pierre est désormais allumé, très bien. Ouais, du coup, on va pas utiliser le skin. J'ai limite envie de le désinstaller, du coup. Ah, ça m'emmerde, ça. Ouais, ça m'embête. Dégâts en arrière. Alors, ouais. Pam 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 pam. Non. Voilà. Joli.
Ah, j'ai hâte, j'ai vu des... J'ai rien regardé, j'ai pas regardé de let's play, rien du tout, sur Darkest Dungeon 2. J'ai regardé quelques combats, par contre. Genre voir les animations et tout ça, ça s'est vachement amélioré. Enfin non, c'est pas que ça s'est amélioré, c'est juste un style différent, en fait. Et après, je sais pas en difficulté s'il est plus difficile ou pas. Je crois qu'il est plus simple. Tous les... Alors malus, bonus, stress. Et après riposte. Il y a tout plein de trucs qui s'activent. Ah, je crois qu'il est un peu plus simple, je crois, les gens disaient en général. Mais il est différent en tout cas. Boum. Je me demande s'il y a déjà des DLC ou pas. C'est bon, on a gagné. Ah, t'es vénère, toi. Hein. T'es vénère. Non, alors, alors, alors... Comme ça. Bon, ça, c'est des 1000, on les garde. Ça, c'est des 750. Est-ce qu'on les garde? Moi, j'ai envie de dire oui. Hein. Après, les bandages et tout, on peut les virer. Mais bon, on a encore pas mal de salles. Boing. On va continuer. Another mariner, another misfortune. Parce que là, niveau stress, on est bien. Parfait. Ouais, niveau stress, on est très bien. Wow. Pas mal. Ça nous fait... Eh, ça nous fait pas mal d'argent. Hein. J'ai vu qu'il y avait une amélioration à faire dans la ville où on pouvait augmenter de 1 les stacks de bijoux. Ça aussi, ça va être sympathique d'avoir ça. Nickel. The match is struck. A blazing star is born. Alors lui en premier, comme d'hab. Ah, tiens, du coup là, on va peut-être pas le tuer, non? Ah, voilà, on joue la sécurité, on le tue, parce que si ça explose, c'est la merde. Nickel. Il est défendu, on va faire celui-là derrière. On n'a pas la vitesse augmentée parce qu'on devait tuer celui-là qui était devant. Donc, l'esquive augmentée, pardon. Donc c'est normal, c'est pas grave. On se prend quelques petits dégâts. Um...
Bon bah. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas bien. Non. Et il paraît qu'ils ont enlevé vraiment le système de précision esquive là. Si vraiment ils ont enlevé ça, je pense que ça va être beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. Même le début va être plus fun. Parce que je crois que le début c'est le pire de Darkest Dungeon. Quand vous n'avez pas de précision ou alors d'esquive, ça gâche. C'est ça. Ça rend la chose tellement difficile. Alors là, vous prenez des persos même j'ai niveau 0 et vous mettez des breloques qui sont en très rare ou alors ancestrales et tout ça. Bah, vous passez un très bon moment en fait. Hein. Même augmenter les habilités pareil, enfin hein, l'arme et l'armure et tout ça, des trucs comme ça, c'est jour et nuit hein, quand même, faut le dire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça en fait dans le jeu. On peut voir qu'en novice, en vétéran, on passe toujours un très bon moment. Il y a zéro difficulté en fait. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Bam. Bam. Ça, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Figure de proue. C'est quoi la figure du proue? Il faut juste la toucher. Ah là là, chaque fois j'oublie. Merde. Attendez, excusez-moi une seconde. C'est Cove. Cove, 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 Cove. Bam. Je crois qu'il faut juste la toucher, mais je me rappelle plus ce que ça fait exactement. Donc je voudrais pas toucher avec n'importe qui. C'est juste du stress ou un buff de dégâts. Ah, ok. Ça marche. Je pensais que ça allait être autre chose. Ah, ça c'est bien ça. We require only the strength to follow it. Nickel. Ah non, fallait juste faire un peu de dégâts de plus. Oh là. Wing. Non, toi t'es mort. Exactement pareil. Critique et tout ça. On va te taper. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va faire des... Waouh! Joli. Ah, mais c'est vrai que c'est des horreurs. C'est pour ça qu'il fait très mal aussi. Lui. Toutes ses attaques sont augmentées contre les horreurs. Alors ça, je crois que ça enlève les malus, c'est ça? On peut la casser avec une pelle par contre. Mais ça augmente le stress à 100. Ouais, donc alors, fais voir un truc, quelqu'un qui aurait du truc positif. Ah, j'ai bien envie. Alors, on a une 66% de chance, enfin une chance sur 2 chances sur 3. D'avoir un truc positif et une chance sur 3 d'enlever un truc négatif. Ah non, j'ai rien dit. Non, c'est ou positif ou négatif. Pardon. Donc ça peut être mauvais.
Peut-être toi, parce que toi t'as rien pour le moment, donc avec de la chance. Ah, épée de lumière. Ouais, bof. Ouais, c'est pas vraiment intéressant pour toi. In Radiance, may we find victory. Pas vraiment intéressant. A time to perform beyond one's limits. Très bien. Je voudrais pas être stressé. Ok. Non. Ah. Non. Là, on est stress zéro quand même. Parfait. Boing. Déjà stun? Non, on l'a pas stun. Ah, il est pas mal ce skin, hein. Sympa. Bah, riposte. Et tu es mort. As victories mount, so too will resistance. Et ben on a fait 100, enfin on va pas compter ça, mais on a fait du 100%. Parce qu'on a fait du repérage de toute façon, donc. Alors ça on avait dit, ah oh là là, j'ai oublié, c'est du stress. Oui, je crois que c'est du stress. Voilà. Très bien. Et ben zéro stress, nickel. Zéro stress et pas mal d'argent. Très content. Très bon run. Allez, run vétéran comme ça, ça se passe super bien. Je crois que c'est un des meilleurs. Après, il y a les novices, mais les novices, il se passe pas grand chose. C'est ça la différence. Alors que vétéran, on arrive à faire un peu d'argent, faire des trucs bien et tout, et ça se passe toujours méga, méga bien. Ouais, 21k, c'est bien. Voilà, 4. Ouais, les autres, non. Endurance, très bien. Rage. Non, rage, c'est chiant pour toi. Endurance, très bien, par contre. C'est pas mal, c'est pas mal. The frothing waters subside. The advantage is ours. Marée douce. Des marins superstitieux se sont réjouis plus tôt aujourd'hui en apprenant qu'un mal surnaturel indicible ne menace plus leur cargaison. Alors, de l'expérience en plus et plus de dégâts. Alors, toi. Bon, il refuse d'arrêter la méditation, Giant Dad. Ok. Parvient à contrôler des heures de malédiction pour le moment. Flacon de sang à soi, c'est calmé. Ok, ça marche. Nickel. Oh, 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 oh. Niveau 3. Je crois qu'on en a déjà beaucoup. Hein. Je vais être honnête. 1, 2, 3.
Non, ouais, ça sert à rien. Non, ce qu'il nous faudrait, ça serait à la limite un maître d'armes supplémentaire. Mais le plus qu'il nous faut, c'est un bouffon. Après, on pourrait prendre un bouffon niveau 2, peut-être. Mais j'avoue qu'un niveau 3, ce serait vraiment, vraiment bien. Ce serait vraiment très bien. Pourquoi je regarde ça? Ok, nickel. Oula! Ils sont partout. Écraser les insectes envahisseurs pour obtenir des invitations à la cour. Infestation haute. Ah! Écraser les insectes envahisseurs pour obtenir des invitations à la cour. Ok. Ah, donc il faut attendre que ça... Ça augmente en fait beaucoup pour après les trouver aléatoirement, j'imagine. Ok. Voilà. Précision. Marée douce. Là, on a de l'expérience et des dégâts en plus. Oh, c'est quoi ça? Oh. Je voulais en profiter là pour récupérer ça par exemple. Faire du champion long. Parce qu'on a de... On a... Oh, attendez, on peut le voir. On peut le voir. 15% de dégâts. Bon, 15% de dégâts honnêtement c'est pas énorme. Mais après on a de l'expérience. Enfin l'expérience aussi c'est pas énorme. En fait faudrait prendre du niveau 1. Faudrait juste simplement faire du niveau 1 ici. De ces 4 là à la limite. Mais je crois qu'on va faire ça. Pièce de tombe, esquive et précision. C'est vraiment bien, non? Enfin, ça... Ah non, enfin, c'est vraiment bien. Non, faut peut-être pas exagérer. Mais... On va dire que c'est utile. Et du coup, ça nous permettrait d'augmenter quelqu'un d'autre. Enfin, d'autres personnes à 4. Plus on peut prendre exactement le même setup. Bon, toi, t'as lenteur et effacement là qu'il faudra vite virer un moment. Mais pourquoi pas. Oui, pourquoi pas faire ça? Alors, un niveau 3. Un niveau 3 en premier rang. Alors, attends. Classe. Classe. Je crois que c'est les croisés, qu'on manque de croisés, je crois. On a Pharam et Montag. Non, Pharam, Montag. Ah oui, mais toi aussi, alors. Attends, on met toi en classe. Alors, Montag, Pharam et Destain. Bon, Destain, il a un peu de la merde, quand même. Hein. C'est chiant. Donc oui, un troisième, ça serait pas mal. Après, on a 3. On a 3 lanciers. Je vais les appeler les lanciers, honnêtement. Ah, toi, t'es pas augmenté, toi. Toi, c'est embêtant, ça. J'ai envie de dire, à la limite, on peut te laisser de côté. Parce qu'on n'a pas besoin de trop de lanciers non plus. Genre 2, ça serait utile, suffisant. En plus, toi, t'as été infecté par la malédiction pourpre. Et tu vas nous coûter pas mal d'argent. Fais voir un peu. Ah, je suis désolé, mais bon, l'argent. Genre là, on est à presque 400k par habilité. Et après, on est à... 2000. Bon après bon c'est pas énorme non plus, je suis d'accord. Mais à la limite autant monter cela. Parce qu'on va déjà payer en fait pour monter déjà de niveau alors donc. Ouais, on peut faire comme ça. Ça peut être pas mal. Puis en plus les deux ils peuvent danser. Ils peuvent danser. Avec le coup de bouclier et tout ça.
Alors. Non, pas ça. On avait dit que ça, c'était pas utile. Pour le moment, par défaut, ça va être ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Précision et protection. Précision et protection, c'est pas mal. Critique en plus. Pourquoi t'as du critique moins 5 ? Si PV inférieur, ok. Donc en fait, là, t'aurais 15 de base. Pas mal, 15 de base. On a dit qu'on allait où ? Là, hein. Les cryptes. Ah, bah go crypt. Go crypt, go nécromancien. Voilà. Ça va sûrement aider. Bon, t'auras pas trop d'esquive, mais... Mais ça va, c'est pas comme si c'était trop difficile. Alors toi, fais voir ça, l'infection pour rester en place en deuxième si jamais on a besoin, et si jamais c'est la merde, ça. Alors, on va l'augmenter. Alors d'abord, je voudrais ça, très bien. Alors bam, oui, allez, ça et ça, même si c'est pas très 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 utile. Voilà, on est bon, tout le monde est équipé, je crois qu'on est bon. Dégâts 15%, cyberator infection, PV. Dégâts crit, nickel. Puis les autres, on les touche pas. Je crois pas qu'il y ait vraiment grand chose à améliorer. Toi, tu nous fais chier avec ta rage. Esquive, PV, esquive. Dégâts, esquive, dégâts. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Pam, pam. 1, 2, 3. 3, 3. 2. 3. 2, 3. On fait 4. Juste au cas où. Ah, est-ce qu'on prend du sang ou pas ? Parce que si jamais on tombe sur un truc... Ouais, non, mais ils vont pas avoir besoin de sang quand même. Pendant le combat. Ça m'étonnerait. Je pense qu'on peut partir. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans les ruines. Ça fait un petit moment. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line. Oh. Oh, alors là, ça c'est un bon repérage. Hein. Je sais pas combien c'est un repérage x3, j'en sais rien. Je crois que c'est le 1 c'est autour, après le 2 c'est on voit les salles ici, et après peut-être un niveau 3, je crois que c'est... Ou alors c'est un niveau 2, ça j'en sais rien. Putain, qu'est-ce qu'on va faire? Alors attends, parce que là il y a beaucoup de trucs en fait. Oh lolo. Oui. On va au centre, on fait ça, ça. Hein ? Chaud ? Wealth beyond measure. Mon Dieu, tout ce qu'il y a. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ah! Pour un, quoi. The abyss returns, even the boldest gaze. Très bien. Vous êtes en décalage. C'est quoi comme phrase? Vous êtes en décalage. Ouais, ok.
bien. Their formation is broken. Maintain the offensive. Bam. Tiens, Limpy, prends-toi ça. Putain, 20, c'est pas mal en fait. Ouais, parce qu'en plus on passe à travers la protection, ça tue. Ça tue, ça tue. Ok. Stun. Nickel. Pas mal. Pas mal, pas mal. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Alors, repérage. Me dis pas qu'il y a une salle. Ok, cool. Oh, y a plein de trucs partout, c'est ouf. Ah. Ok, ça c'est pour le stress, ça marche. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Par contre, on a peut-être besoin d'avoir besoin des clés. Donc un truc qu'on va faire, c'est peut-être pas ouvrir les vous savez les cabinets là avec la vitre là cassée, ça on va peut-être pas le faire. Parce que ou alors on met un coup de pelle. Parce que là on a juste un obstacle ici. Comme ça, on garde les clés pour les coffres. Devastating blow. Très bien. A time to perform beyond one's limits. Ah non, mais arrête. Aïe 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 aïe. Je sens que ça va être plus chiant là. Enfin, je sens que le stress va être bien relou. Je sais pas pourquoi. Eradicated. Bon, peut-être pas elle, mais. Ah, j'aurais dû taper lui en fait, le lancier. On peut toujours le taper. Masterfully executed. Continue the onslaught. Destroy them. Il y a juste le stress de l'antiquaire à gérer et on est bon. Waouh, combat d'aveugle, j'adore. Pas que j'aille regarder. Je crois que c'est juste du stress ou un buff. Ouais, c'est un buff. Ok, c'est un buff. Alors attends, tu vas attendre. On devrait aller faire le combat là. Ouais, on devrait aller faire le combat là-bas. Non, ça c'est des récompenses. Et apparemment il faudrait trouver aussi des... Peut-être les combats aléatoires là, ça pourrait être des créatures de la cour. Donc si on peut trouver
Je sais pas comment ça s'appelle. Une invitation? Ouais, une invitation. J'aime bien parce que Woodville, c'est le mec qu'on a sauvé là. Donc il est vraiment bien au final. Vraiment cool. Gnawing uncertainty. The birthplace of dread. Bam. Confidence surges as the enemy crumbles. Ah. À 20. Hop là. A decisive pummeling. Ça va, ça se passe bien niveau strike. Il y a que l'antiquaire là qui a pris beaucoup, mais on a le confessoir là, confessionnal pardon, confessoir, confession. A victory. Perhaps the turning point. Pas mal. Pas mal. Est-ce qu'on prend... Ah, j'ai bien envie de faire argent, mais... La question c'est est-ce qu'on dort maintenant ou pas? Ça ferait 1, 2, 3, 4. Alors peut-être 5, 6 même. De toute façon je pense que si on campe pas maintenant, on aura vraiment des problèmes pour récupérer tout ça. Mais il y en a partout des machins, c'est ouf. Ouais non, autant s'alléger maintenant. Gathered close in tenuous firelight. Ouais, autant s'alléger maintenant. Easy companionship. Ça c'est embêtant. Alors, esquive et crit. Alors, du coup on a 5. Toi est-ce que t'as vraiment des trucs intéressants? C'est surtout sur toi en fait. Marque impossible, protection et vie. Non, par contre, il y a un truc là, on va faire, c'est 5, moins 50%. Ouais. Et après, je pense que le dégât est l'écrit pour tout le monde. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. J'avais un mode qui rajoute, je sais pas si j'en ai parlé, j'ai rajouté des personnages en fait sur les côtés là, droite et gauche comme ça. C'était des esclaves en fait. Bon après c'est, ça ressemble à des, plutôt des petites lolis esclaves quand même. En gros des gens qui transportent vos ressources quoi. Mais ouais j'ai pas trop aimé le style en fait. Que j'ai pas pris. Je crois que j'ai fait un peu le... Oh mon dieu, je crois que j'ai fait un peu le tour des bons modes que, qui me plaisent pour mon style. Regardez celui-là. Très bien. Toi, tu prends ça. Aura chevaleresque. Et tu as gagné un buff. Esquive. Ah, esquive et protection. Oui, oui, c'est un, oui, c'est un aura de... Oh! Cocon palpitant. Ah, oh, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre du sang dedans. Si on le touche, ça fait quoi?
Ok. Oh, gardien. C'est pas une invitation, ça? Mais c'était pas du feu, normalement, pour les cocons? Mais je crois que c'est juste pour faire venir les combats, en fait. Bon, bah là, c'est bon. On a potentiellement notre invite. Bon, faut pas qu'ils se fassent infecter, les gens. J'aurais bien voulu que les attaques, là, en bas à droite, là, compétences, qu'on voit laquelle peut être une infection. Ah, hein. Oui, oui, oui. Non! Oh, il faut le tuer avant qu'il parte. Non, j'en étais sûr en plus. Je me suis dit, putain, tu vas voir qu'il va partir. Aïe, 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 il fait fuir. Oh, quelle merde. Ah, bah, on est niqué là. Il ouais. Y a rien à faire. Bah merde alors. Bon, on a perdu notre chance de pour l'invitation. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup en fait des curieux dans les couloirs. Peut-être pour ça. Ouais, peut-être genre là, il y a peut-être encore des cocons un peu partout. Normalement, ça serait mieux comme ça. Ouais, le reste, on aura peut-être besoin. Il y a peut-être les bandages, en fait, qu'on a vraiment pas besoin ici. À la limite, j'ai envie de dire. Les bandages, attendez, je vais regarder vite. Il n'y a rien qu'il faut bander, en fait. Y a rien qui a besoin d'un bandage ici. Non, y a rien. Ouais, on va virer les bandages. Y a que bah, les créatures en fait qui peuvent nous faire saigner. Hein. Faites un repérage, je voudrais bien ne pas y aller. Ok, d'accord, c'est bon. On y va. Aïe, aïe. Bam! Bah du coup, là c'est sûr qu'on n'aura pas assez de buff pour faire tous les combats de la zone. Hein. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste quand même énormément de choses à faire. Ah putain. Ça fait combien? Ça fait 3. Ah, avec les dégâts peut-être. Oui, non, avec les dégâts c'est bon. The ground quakes.
Après qu'on a déjà un saignement, si je pense bien, c'est dangereux de soigner avec l'occultiste parce que s'il reste par exemple un tour, il va remettre du saignement dessus, par-dessus. Ah mais non, ils sont dissociés les tours de toute façon. Non, je suis déjà. Je suis en train de réfléchir bizarrement. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Mouais. Du sang aussi. The light, the promise of safety. Ah, coffre. Precision and power. Évidemment. Bon, ça, c'est que moins 5 parce qu'elle a, elle a moins 50% de... Oh non, sans déconner. Elle a moins 50% de stress, donc ça va. Honnêtement, c'est vachement puissant, au final. C'est juste que... Ouais, il faut camper pour l'avoir. Aïe. Non mais... Oh oh. On va l'infecter un peu plus. Encore du soin. T'as du mal hein, à faire passer le soin. Vraiment du mal. Joli. Je dois le soigner, enfin la soigner. Ouais, pas mal. Très bien. Ah ah! Unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Intéresse ça! Mais bon, attends. Oh là là, tout ce qu'il y a quoi. Ah, on aurait pu faire un antidote peut-être. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Oh putain. Non déconner. In Radiance, may we find victory. On avait vu qu'on avait besoin de buste. Surtout. Il y a la nourriture. La nourriture, on va encore la garder, juste au cas où. Il y a ça qui m'intéresse plus très trop. On va faire comme ça. Parce que là, niveau argent, on est plus ou moins rentable, ça va. On a combien? 2, 4... Ça, c'est combien? C'est 500 lin. Donc, on a 5000. On a déjà dans les 10 000. Ça peut aller. Oh, les bijoux. Les bijoux.
j'ai peur qu'ils aient faim. On va le faire pendant qu'on est... qu'on est buffé. Ok, donc faut le défoncer le machin. Mon dieu, il est en quatrième. Je peux pas le stun. Oh, il est en 3. Ah, il est en 2. Alors. Ok. Yes! On est bon. Il a même le papier. Même sur le cadavre, il a le papier. C'est marrant, ça. Tiens. C'est marrant. Et c'est là qu'ils prennent le cadavre et ils se cassent. Genre, il faut tuer le truc et après, il faut détruire le cadavre. Pour regarder le papier. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ah oui, oui, c'est quand ils font la soif. C'est quand ils font la soif, je crois. Quel... Pam 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 pam. Oh, doucement. Ah, non. Merde. Non non non. Aïe 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 aïe. OK, on est bon. Woodville qui s'est fait infecter. Merde. Ah, ça c'est chiant ça. Ah, c'est pas trop grave. Tant qu'on a du sang après, ça va. Bah après, si on les prend en jeu, il faut prendre du sang avec nous. Eh, le moustique, on peut le tuer ou c'est... Comment ça se passe? Une invitation à la soirée de jeux et de divertissement. Oh putain, ça prend de la place. Tu veux du sang? Tu veux du sang encore? Non. Attribut, brelot, attribut plus 10. Autre compétence. Attends, t'as quoi? Là, on a plus de combat. Hein. On a plus de buff de combat, non? Non, par contre, t'as un peu d'esquive parce qu'il y en a encore les buffs. Et du coup, tu as de la vitesse en plus. Bon, il faut l'invitation du... Il faut garder l'invitation. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le sang. Non, ça devrait aller. Aïe, 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 que bordel. Donc là, du coup, il est rapide. C'est intéressant, même pour les tanks, en fait. Je veux pas dire, un mec qui peut se bouger, en fait, en premier, c'est plus intéressant. Hein, que tout. Parce qu'il peut buffer tout le monde direct, dès le début.
si on les surprend pas. Et il peut mettre protection dès le début aussi. Il peut. Enfin voilà quoi. Il peut se mettre marque dès le début. Aïe aïe aïe. Ah merde, non. Ouais, elle, on va devoir la déstresser, fait chier. On va devoir soigner aussi. On commence à être un peu à la ramasse. Decimated. J'avais dit qu'il fallait que je soigne. Je voudrais bien la tuer, elle, en fait. C'est ça qui me fait chier. Oh là là! Ah, évidemment! Évidemment, elle choisit quelqu'un d'autre, quoi. Je sens qu'on va mettre son soin à elle pour un peu aider. Oh, tu peux plus protéger, c'est bête, hein. T'as vu ça un peu comme la stratégie. Ah, on a bien fait de garder les bijoux là. Alors on a dit que elle, on allait prendre ça. La marque à la limite, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Ça. On a, ouais, on va faire comme ça. Arrêtez de faire des. Aïe aïe aïe, c'est peut-être dégueulasse là, un peu. Quand il change de forme là, Cthulhu là. Non, ça c'est pas utile. Ça c'est utile, ça oui, ça oui, c'est bon. Ah, vieille, la malédiction pour pourquoi? Ouais, ça lui fait une vue de la vitesse en plus, quoi. Mmh, ah, ça peut être intéressant pour lui, je sais pas. Coffre déverrouillé. Ah! Ah, c'est bien ça. Je dois juste voir ce qu'il y a là. On a des pelles. Bam! Un peu d'argent. Ça, je sais plus ce que c'était comme curio. Ah merde, attends, on a besoin de la... Curio ici, donc à la limite il nous faut une clé. Voilà, du coup on n'a plus besoin d'invitation, donc à la limite on peut laisser ça. Hop, nickel, pelle. Et on n'a pas fini, on a encore, encore la salle secrète. Ah, infestation, ok. Ah, ça, putain, le chambleur, là, ou je sais pas quoi, là. Faudrait que je le fasse, quoi. J'ai toujours pas fait. Ouais, j'ai toujours pas fait ça aussi. Parfait.
Eh ben, qu'est-ce que vous avez à... Enfin, tant mieux, hein. Tant mieux que ça soit sur lui, hein, mais... Mais waouh, quoi. Je suis étonné, en fait, qu'il ait rien esquivé, en fait. Plus ça qu'autre chose. Ah, un peu loin maintenant. C'est pour un peu enlever les cadavres en fait. Ah bah tiens, on peut te... Ouais non mais il faut te soigner d'abord. Très bien. Voilà, on parle plus. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Comme ça. Ça, on va trouver d'autres trucs. Oh, on a fini. Alors, on a fini, mais pas vraiment. Alors, ça. Nous, il faut qu'on garde encore une clé. Absolument pour la salle secrète. Toi. Bon, c'est pas grave. J'ai tenté, je me suis dit au pire ça lui fait baisser le stress. Alors là c'est du 750, c'est pas mal. Bien qu'ils allaient manger. Alors, attendez, on va peut-être passer comme ça, on utilise nos torches. Ok. Oh, si on peut lui baisser le stress, ça veut dire qu'on pourrait la rejouer, mais ça m'étonnerait parce que voilà, elle se fait spammer par tout le monde, c'est bien. Elle va se faire spammer. J'aurais dû taper le squelette. Il a trop d'HP l'autre. Combat avec un œuf qui arrête pas de bouger derrière nous, c'est pas dangereux du tout.
Ah mais sans déconner. Ouais, c'est la merde. Ouf. Ah ah. Bon, on l'a saigné aussi, mais... Mais haha quand même. A trifling victory. But a victory nonetheless. Is lit. The path is clear. Blam. We require only the strength to follow it. Moins 30, c'est pas mal. Du coup, on a peut-être pas besoin de la stopper. On va pas faire de combat, ça sert à rien. Alors, on a fini. Après, il y a deux curieux de plus. De toute façon, on a plus de torches. Et on va devoir transporter plein de trucs. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc ça. Ça. Et voilà. Et ben voilà, nickel. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Ting 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 ting, c'est pas mal ça. Voilà, un bon 38K, c'est très très potable. On aurait pu faire même un tout petit peu mieux, genre 40K sûrement, si on n'avait pas récupéré des bus. Mais les bus, c'est utile, j'en ai besoin. Donc ouais, 38K, là c'était pas mal. C'était pas mal, c'est très très bien. Et du coup, on a une invitation alors, donc on va pouvoir reprendre notre attaque. Let me share with you the terrible wonders I have come to know. Parfait. Que dalle. Ah, tiens. Du vinificateur, mais en vétéran. Ça peut être pas mal aussi. Ça y est, on a une invitation. On a une invitation. Bon, on va s'arrêter là. On va faire... Hop. On est de retour à 109K. C'était un très très bon run. Alors, le stress de L, il est très bon, 5, elle est vulnérable, bon ça c'est un peu chiant. Non, ça va, il n'y a rien de très 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 problématique. Woodville, le stress dans les ruines, ouais, c'est un peu relou, c'est pas trop grave. On a la malédiction pourpre pour toi par contre. Corben. On va t'appeler Corben Dallas. Je suis vieux. Hein. Moins 10 d'infection. Ça, c'est chiant, par contre. Moins 10 pour les infections. Ah, mais c'est pour ça qu'il loupait. Oui, ceci explique cela. Parce que nous, on balançait la lance avec la brise bouclière, là. On balançait la lance, ça infectait tout le monde. Donc, à chaque fois, il se tapait un précision moins 10, quoi. Ah, merde. Ah, il faut absolument l'enlever, ça. Ouais, faut absolument virer ça. Et après, est-ce qu'il y a des trucs à garder? Je pense pas. Soins reçus. Ouais, soins reçus à la limite, parce que c'est
un support, genre quand il se soigne. Enfin, c'est bien, soin reçu, c'est bien pour tout le monde de toute façon. Compétence à distance critique. Ça c'est mêlée, ça c'est distance, ça c'est distance. Distance, distance. Eh, hey, critique, je dirais pas non en fait à critique. Compétence à distance, critique plus 5%. Voilà. On va faire comme ça. Et toi du coup, alors t'as la rage, t'as la lenteur, l'effacement. Ouais non, toi t'es. Non, toi t'es chiante toi. Toi t'es chiante. On va devoir te lobotomiser aussi. Alors déjà tu vas m'enlever la lenteur avant que ça devienne trop problématique parce que l'effacement c'est déjà trop tard. Donc la lenteur. Et après je crois que t'as rien à gagner. Alors précision 5, est-ce que ça peut être utile? Précision. Ah la précision c'est utile pour tout le monde hein. Genre mêlée, coup de ça. C'est même ça. C'est utile pour tout le monde. Donc pourquoi pas. Nickel. Eux deux, ils ont pas besoin d'être déstressés, on est bon. Ils sont pas malades non plus. Vanguard, il s'ennuie. Alors la prochaine fois c'est quoi? C'est un vétéran le combat contre le... Ouais c'est un vétéran et ça c'est épique. Le baron. On va reprendre la même équipe qu'on avait la dernière fois avec je crois que c'était le croisé qui était empoisonné. Ah tiens on pourrait peut-être prendre Woodville. Ah Woodville ouais je voulais faire un truc. Peut-être on peut prendre Woodville avec nous. Parce que déjà, il a la malédiction pourpre, en fait. Donc du coup, à la limite, on s'en fout. Enfin, voilà. Plus on prend des gens avec la malédiction dans la cour, moins on a de risque d'infecter des nouvelles personnes. Parce qu'on en a déjà 3. Ça va être un peu problématique pour les soigner, tous, là. Donc peut-être qu'on peut en prendre de l'huile croisée. Un truc comme ça. On va voir, on va voir. Je vais faire mon équipe pour la prochaine fois. Et je vais réfléchir à une équipe. Par contre, je voudrais juste t'enlever. Genre, toi, on va t'enlever l'ennui. Qui d'autre? Vaughan, t'as la rage, toi tu la gardes. Et pour l'instant, c'est bon. Furnival, t'as des vertiges. Nickel. Ouais, on a un truc à faire là. Fais voir un peu les augmentations. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc il reste plus que... Ouais. Plus que petites choses. Il y a ça. Cellule de patient. Cellule de patient, je vais peut-être essayer d'économiser pour ça. Ouais. C'est pour ça que je prenais les bustes en fait. Oh! Pour Vestal. Bon, on en a déjà, je crois, mais c'est pour dire. Vitesse, dégâts, stress. Ouais. Ok. Je vais réfléchir à un groupe pour aller combattre le baron. Et ouais, je pense qu'on va prendre des gens surtout infectés. Comme ça, on les infecte. On n'infecte pas des nouveaux, en fait. Donc, ouais. Ça s'est super bien passé, cet épisode. On a fait beaucoup d'argent. On a pu augmenter pas mal de personnes. Le seul point négatif, c'était Woodville qui s'est fait infecter. C'est tout. Voilà. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.